Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Voici comment son meilleur ami a failli le mettre dans une secte. C'est un truc hors du commun, mes frères et sœurs. Tout le monde cherche à réussir, mais d'autres veulent réussir par le mauvais chemin. L'argent du diable est ce qui les intéresse. Chap, chap, rapide, rapide. Hey Dieu, écoutons son histoire. Ok, mon histoire se déroule au Gabon. En fait, j'ai grandi avec un ami qui restait en face de chez nous. Et cet ami-là, c'était un ressortissant d'une famille de nantis. Tu vois, papa Mbep, maman Mbep, tonton Mbep. Donc, c'était ce genre d'ami. C'était un ami avec qui on partageait tout. On s'appelait mon jumeau. Le problème de l'autre était le problème de l'autre. Que ce soit l'autre physique ou bien sentimental. Si quelqu'un fait la bagarre, l'autre rentre. Si quelqu'un a un problème de cœur, l'autre conseille. On partageait presque tout. Et on avait coutume de se dire que je ne peux pas réussir, toi tu ne réussis pas. Je ne peux pas être riche et toi tu vas rester comme rester pauvre. On se disait ça. Mais j'étais à dire que mon ami avait tendance à dire que je n'ai pas besoin de forcer, car parfois on se casse la tête, car dans les études, après on vient chômer. Nous me prenait souvent les exemples, regarde le grand là dans le quartier, là aussi, si cela, cela. Moi je me disais que, ah, outre le fait qu'on marche ensemble, on n'a pas les mêmes opportunités. Toi tu es l'enfant de MBEP. Moi, je suis un enfant d'une classe moyenne. Je me disais, ah, son discours tient la route. Mais il disait toujours, en tout cas, moi, mon modèle de réussite, c'est mon père. Et bon, je tiens à préciser que son père, c'est un gars dont la renommée n'est mon père, dont la renommée est connue de tout ce qui lui appartient aux hautes sphères. Moi, j'appelle hautes sphères des loges. Donc, ça l'a déjà attiré mon attention parce que ma mère me disait que ton ami qui te dit souvent que son père, c'est son modèle de réussite là, nous savons tous au quartier ce que son père fait. Fais attention à lui et je ne voudrais même pas que tu marches avec lui ou le fait que vous avez grandi ensemble. Boum, 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 2018, je gagne l'examen, le bac. Après, il voyage. Je dis, ah mon type, bâton là-bas, lui. Il me dit, en tout cas de toutes les façons, le voyage que tu penses qu'il va être long là, va être court, je m'en vais me chercher pour nous deux. Ils sont que lui, mon type, donne-toi fond, ne comprenant pas ce qu'il me disait. Un an après, il arrive. Il me dit, il m'appelle, on se perd de vue. Et j'ai profité l'occasion pour dire, les amis dont on se perd de vue là, 2 ans, 3 ans après, qu'ils reviennent là, oui, on était amis, il ne faut pas directement embrasser. Parce que le temps qui s'est écoulé entre votre revoir et le temps que vous voyez à nouveau, qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Mais aussi de ton côté. N'embrassons pas directement. Donc, quand il arrive, on est là. Oh, comment ça a été? Oh, ça a été formidable. Oh non, quand tu es déjà en LB, il me dit non, laisse-moi la faire de l'école là. Je t'ai dit, je m'en vais me chercher. Ils ont dit, ah, tu veux pas te chercher comment? Oh non, laisse-moi ça, mon frère. En tout cas, c'est bon. On ne va plus souffrir. Ah, encore plus souffrir comment? Toi, tu es un enfant d'un bébé. J'ai dit, ok, on est ensemble. Une semaine après, il m'appelle, il me dit, oh, mon type, habille-toi, on sort. Je m'habille, le frangin, c'est un enfant d'Mbep. On part à lui, on part dans un snack. On commence à consommer, on consomme. Jusqu'au moment où il dit, amenez-moi la bouteille la plus chère du snack. Vous m'amenez 4. Comme j'étais avec lui et 2 de ses autres amis que je ne connaissais pas. On termine. Puisqu'il avait toujours sa sacoche, il sort l'Elias, il paye ça. Les autres aussi ont sorti un peu l'Elias là. Je sens que, ah, peut-être aussi c'est des enfants des nantis comme nous. Après, c'est midi, mon type, on ne rentre pas directement à la maison. Il était 22h, je me dis, on coulisse quelque part. Quand on coulisse, boum, on arrive dans une maison, je ne sais pas si c'est une maison ou un hôtel, on rentre dans un grand salon. Il y avait un peu de monde là, mais on avait notre table à 4. Donc on nous sert, j'en mange. Au moment où je prends ma fourchette, je pique, je mets dans la bouche. Je vois, les gens se lèvent.
Il y avait peut-être 4 tables différentes comme ça. Ils m'applaudissent. Je sens que oh. Et pour la question, on m'a dit que oh, c'est comment les gens se lèvent pour applaudir. Il me dit oh non, c'est un lieu exceptionnel. Et donc on a même une personne ici pour l'honorer de sa présence. Quand il prend la première bouffée, on se lève pour l'applaudir. Je sens que oh, ok, d'accord. On rentre à la maison. Et dans ma tête, ça tourne. Sachant toujours que depuis petit, il disait que j'ai pas besoin de casser le corps. Ça tourne. Un jour, 2 jours, 3 jours après, je commence à faire des rêves bizarres. Où on me poursuit. J'ai fait des rêves où on me poursuit. Le jour d'après, j'ai fait un rêve où on me dit oh, tu fais quoi depuis? Tu fais quoi depuis? Les paroles comme ça. Le jour d'après encore, un mec, je me rappelle, j'étais en train de dormir. J'entends une voix dans mon sommeil qui me dit Lève-toi. Je me réveille, je ne vois personne. Je me réendors, quelques temps après, la voix me dit encore Lève-toi, on part. Le lendemain matin, je me réveille, je garde ça pour moi. 2 jours encore après, pareil, je dors. J'attends comme si quelqu'un me disait, allons, on va partir, alors il est l'heure, fais, on part. Je me réveille, je sens que, oh, ça c'est quoi qui m'a fait m'arriver comme ça là? Je me réendors, puisque je dors souvent, il y a des positions dans lesquelles je dors, parce qu'on m'a toujours dit au village, et chez les musulmans, qu'on ne dort pas comme ça. Donc quand je dors face au plafond, parfois je croise les pieds, je vois comme ça fait des fers mes pieds. Et comme je ne dors pas du côté gauche, parce que chez nous, je m'en dis aussi pas de même côté gauche. Tu vois, parfois, il dort du côté droit, je vois comme si la même nuit, hein, comme si je me poussais de la nuit du côté gauche. En tout cas, ce sont des positions parfois. Quand je dors moi-même, autre histoire que je vous raconte, j'ai fait toujours des cauchemars. Je me réveille. À peine me réveiller à 8h, 2 heures de temps après, il arrive. On parle, il me dit. La position dans laquelle tu dors là, te rend lourd la nuit. La position dans laquelle je dors, tu me rends lourd la nuit. Comment? Oh non, ça t'empêche d'être léger et d'accéder au monde des rêves, comme lui-même il appelait ça. Le monde des rêves? Ah oui. D'accord. On parle. Attends, c'est pas, mais ça pique dans ma tête. C'est quoi l'affaire là? 5 jours après, il arrive. Il me dit, je t'ai dit que la position dans laquelle tu dors te rend lourd la nuit. Tu es en train de me créer les problèmes. La position dans laquelle tu dors la nuit te rend lourd. Et moi, je n'ai pas le temps à perdre. Mon temps est précieux. Si tu vois que tu n'arrives pas à être léger la nuit, tu me dis, je vais t'amener quelque part. On va te faire quelque chose pour que la nuit, tu puisses accéder facilement au monde des rêves. Ça devient sérieux. Je dis, ça c'est quoi donc, quoi je me retrouve là? Je zappe, mais je raconte déjà à ma mère. Ma mère me dit, je t'avais dit de plus marcher avec cet enfant-là. Ma mère me dit, on a grandi ensemble, qu'on est toujours pareil. Oh. Ne sachant pas que 2 ans se sont écoulés, je ne sais pas. Un an s'est écoulé, je ne sais pas ce qu'il est parti faire là-bas. Après 3-5 jours après-midi, papa m'a envoyé au Kala prendre un peu le matériel. Allons. Bon, puisqu'il avait le permis, on part. Arrivant au Kala, on arrive. Au Kala, c'est un quartier un peu reculé de Libreville. On rentre dans la forêt. Bon, c'est loin. Oh non, c'est un de ces chantiers. Igar, on descend. Je vois, il porte un manteau rouge, il mettait un manteau rouge. Je dis, ça c'est pourquoi. Je n'ai même pas fini, il dit, ça c'est pourquoi. Je vois les 2 autres avec qui on était parti au bar là-bas, au stack, sortir avec 2 autres garçons encore et un vieux papa. Un papa qui peut être dans la 60aine, tous en rouge. Je dis, oh, il y a quoi mon dit? Il me dit, ah, puisqu'on s'appelle souvent Jumeau. Ah, Jumeau, je t'ai dit que si tu n'arrivais pas à être léger la nuit, je vais faire quelque chose pour te rendre léger. Je sens que, oh, tu m'as mis dans quoi comme ça? Oh non, je t'avais dit que je partais me chercher pour nous deux. Je ne peux pas être dans l'opulence et toi tu vas rester guébé. Je suis déjà dans un bon processus, dans des hautes sphères. Moi, c'est comme ça que j'appelle la loge. Je sens que, oh, tu rentres dans les hautes sphères, tu ne me dis pas.
Tu me ramènes, tu me fais rentrer dans les imbécilités, les conneries. Tu viens me dire ça parce que je suis déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Oh non, ce qui est fait est fait. On n'a pas le temps de discuter. Allons. Je sens que je ne peux pas partir. Papa dit, il crie là-bas, je n'ai pas mon temps à perdre. Amenez-le s'il ne veut pas. Amenez-le le force s'il ne veut pas. Je sens que si c'est la force là, ça ne va pas bien se passer. Je dis bon, pourquoi on fait, allons-y. Donc, ils se mettent en file indienne, en suivant le papa. En suivant le papa, je trouve une ouverture, je fuis. Quand je fuis, j'arrive à la maison, j'explique à ma maman. On part un peu, on voit la police. On a un autre discussion, un enquêteur. L'enquêteur, on se rend chez la famille de mon ami là. Bon, son père, c'était un gars vraiment, je ne sais pas, vraiment, vraiment influent. Il arrête l'histoire. Il arrête le problème, il éteint ça sur place. Quelques jours après, Dieu voulant, je me suis déplacé pour me rendre dans une autre province pour un mariage. Mon téléphone sonne, j'entends, il me dit, oh non, ne pense pas que tu m'as fui. Tu ne peux pas nous fuir dès lors que tu as commencé le processus. Tu vas tout faire, tu ne vas jamais nous fuir. Jamais nous fuir. Tu sens que ça c'est quoi dans quoi je me trouve. La nuit même, la nuit, j'ai fait des rêves. Lui me disait, oh non, tu ne peux pas nous fuir. On est liés, tu es mon cousin, tu es mon jumeau, tu es mon frère. C'est toujours lui. Je raconte ça à ma mère, je raconte ça à ma mère, sachant qu'on ne peut pas faire le poids face à cette famille. Dieu voulant, ils me font voyager. Mais jusqu'alors, souvent j'ai fait des rêves là où le gars me dit, quel que soit le temps que tu vas prendre, hein, on t'aura. J'ai fait ça pour nous deux. Je ne peux pas être entré dans les hautes sphères pour nous deux et nous retrouver à l'intérieur seul. Donc juste pour dire aux gens que les amis, quand on les perd de vue, quand ils reviennent, on doit faire attention. Et surtout, surtout, quand tu as un ami qui te dit, voilà mon modèle de réussite, si tu vois que le modèle de réussite en question n'est pas quelqu'un de clean, fais très attention. Donc c'était juste ça. Merci. Désolé si c'est un peu long. Hey, c'est vraiment extraordinaire ce que nous venons d'entendre ici. C'est terrible. C'est terrible. Waouh. Seigneur Jésus, toutes ces choses existent vraiment. Incroyable, mais vrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter encore une autre histoire racontée par un autre homme. C'est parti. Je vais vous raconter une histoire me concernant. En disant d'abord que ce n'est pas tout le monde qu'on aide. On n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. Oui, peu importe l'âge de la personne, on n'aide pas tout le monde. Et avant de faire telle chose, il faut toujours prier, mentionner, il faut toujours prier. Avant de faire toute aide, avant d'accorder toute aide à quelqu'un, il faut prier, c'est important. Bon, il fut un jour où j'étais en vacances, je suis en vacances, chez nous en vacances, au village. Et j'allais faire des courses et du coup je rencontre une vieille maman sur le chemin et qui me demande elle fait tomber sa canne, elle me demande de ramasser sa canne. Bon, je sais pas si elle a fait tomber, mais elle m'a demandé de ramasser sa canne qui était tombée par terre. Ensuite, j'ai pas ramassé la canne directement, mais je me suis rappelé qu'il fut une fois, mon papa m'avait raconté une histoire comme quoi un jeune garçon avait disparu après avoir pris l'argent ou après avoir ramassé la canne d'un vieillard et l'enfant avait disparu. Je me suis rappelé de cette histoire et j'ai fait deux pas en arrière. J'ai pas ramassé la canne. Et après, à ma gauche, je me tourne de l'autre côté de la route, je vois un monsieur tenu là en me disant que aide la maman là, c'est une vieillard. Elle est vieille, c'est une vieille, pardon. Faut l'aider, il faut prendre, tu lui donnes. J'ai pas pris la canne. Subitement, un esprit avant me disait, un cœur avant m'a dit, quitte de là rapidement d'où tu es et vas-y, continue ton chemin, fais comme si tu n'avais rien vu. Je suis parti, je n'ai pas ramassé la canne. Durant toutes ces journées-là, j'étais très pensif. Donc, la leçon que je dis, que je m'en vais vous donner, dans cette histoire, mon histoire est que c'est souvent bien d'écouter les conseils, les aînés, peu importe l'âge de la personne, c'est très important d'écouter. Écouter, c'est très important. Parce qu'on ne sait jamais. Merci de m'écouter et
Portez-vous bien. Bonne année encore à tous. Bonne année à vous. C'est hors du commun. Et c'est la vérité. De la sorcellerie, quelqu'un qui a de l'argent, beaucoup d'argent, peut venir la nuit sous le pont pour demander de l'argent à quelqu'un ou aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un dans la sorcellerie, là, même quand vous avez beaucoup d'argent, si le diable vous dit, si le diable vous donne un ordre d'aller, genre, mendier, vous allez le faire parce que le diable espère vous utiliser pour bloquer l'argent des gens, ou même faire du mal aux gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que dans la sorcellerie, des gens peuvent faire semblant d'avoir besoin d'aide. Rien que pour que vous puissiez avoir pitié d'eux et que en retour, eux puissent en profiter pour vous faire du mal. Donc, si vous voulez aider quelqu'un et que votre esprit vous retient, ne forcez pas. Il y a forcément quelque chose qui se passe. Faites très attention. Le monde est devenu autre chose. Nous allons écouter maintenant notre histoire racontée par une jeune femme. C'est parti. Une jeune femme camerounaise. Je suis camerounaise. Le régime Bamiyéké. Bon, je vais raconter mon histoire. Je vais vous raconter ce que j'ai pu vivre, j'ai pu subir dans ma vie. DMG, je suis une fille. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans. Et j'ai au moins des enfants derrière moi. Des petits frères derrière moi. Deux petits frères, une petite sœur. Aujourd'hui, de nos jours, quand je faisais la classe de 3e, j'ai épousé. Il y a un monsieur qui est venu se présenter dans ma famille. Vous connaissez comment ça se passe dans la coutume bamiléké. Un homme est venu se présenter chez nous, disant qu'il veut m'épouser, puisqu'il avait eu à m'étudier. À chaque fois qu'il me voyait, il a eu à m'étudier. Je ne veux pas trop donner le nom. Entre-temps, bon, j'avais pour objectif de réussir ma vie. Bon, le monsieur m'a surpris. Entre-temps, comme j'ai grandi avec ma grand-mère, vous savez à l'époque comment les grand-mères se comportaient. Oh, tu dois, tu es ci, tu es ça, il faut juste obéir à ce qu'on doit faire, à ce qu'elle doit dire, à ce que tout ce qu'elle, dans tout ce qu'elle entreprenait, on devait juste l'obéir. DMG, je vous assure, j'ai épousé ce monsieur en 2016, fin d'année 2016. DMG, quand j'entre dans la famille de ce monsieur, je me rends compte que ce monsieur il était d'abord marié, pas légalement. Il n'était pas marié légalement. Bon, ce qui les faisait séparation, la séparation, ce qui a fait en sorte qu'il vienne m'épouser, il n'avait aucun lien de sang, il n'avait pas d'enfant, bon, on peut dire sa copine quoi, c'était sa copine, ils ont vécu 5 ans. Bon, si c'était que cet homme avait eu à avoir même un seul fœtus avec cette femme, il n'aurait pas pu me connaître. Lui et moi, on ne devrait jamais se connaître. Pour vous dire, en réalité, ce monsieur, c'est un gars de mon village. C'est l'enfant au meilleur ami de mon... C'est le petit-fils au meilleur ami de mon grand-père, pour vous dire la vérité. Comme je vous le dis, DMG, quand ce monsieur entre dans ma vie, je lui suis juste... Parce que ma grand-mère me l'a opposé. J'ai été obligée d'obéir puisque en pays bamiléké, quand tu n'obéis pas à la maman,
Tu es désobéissant, tu es ci, tu es ça. J'ai accepté ça. Ce monsieur vivait, bref, il vivait à l'extrême nord, à Maroua. Quand je conçois mon premier enfant, ma première fille, le monsieur change. Il change. Quand je suis à 7 mois de grossesse, je me déplace, je viens chez ma belle-mère, j'accouche. Et entre-temps maintenant, il change. Puisque lui et moi, nous sommes légalement mariés du régime monogamie bien commun. Il commence à changer. Il dit, bon, quand il revient me chercher, il dit à ses frères, bon, j'explique un peu la situation dans laquelle je suis à ma épouse, que la femme de son grand frère, la femme au grand frère de mon mari. Il dit, entre-temps, elle me dit, ceci, rappelle tout ce que tu m'as dit à ton beau-frère. J'explique et tout. Ce que mon mari me dit, ceci, bon. On peut déchirer l'acte, on peut faire ci. Et pour vous rappeler, son ex-copine vivait à Yaoundé. Pour vous dire, DMG, cette fille étant à Yaoundé, et moi qui suis à l'extrême nord avec mon mari, elle commandait mon foyer en distance. En distance, et jusqu'aujourd'hui, elle commandait mon foyer en distance pour vous le dire, la vérité. Elle commande mon foyer en distance. C'est au début, je ne croyais pas. Quand j'accouche ma première fille, il vient me chercher. Bon, entre temps qu'il arrive, il a une colère, j'explique la situation comme je vous l'ai dit. Quand on retourne, le monsieur a changé. Le monsieur me laisse le lit conjugal. Il s'en va dormir au salon. Au fur et à mesure, quand il prépare, même il ne mange pas. En retournant qu'il a mangé. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans tout ça, monsieur me bat matin, midi, soir. Si je commets une petite erreur, s'il me dit mets le plat là, et que le plat est un peu juste déplacé, c'est la bastonnade. Quand le plat est un peu juste déplacé, c'est la bastonnade. Qui me dit tout ça, chaque jour j'ai enduré, au point où il m'a laissé du lit conjugal. Il est allé, il s'est renfermé à lui. Moi aussi, j'ai dit que, mais qu'est-ce que je dois faire? Et à chaque fois, quand je vais vers lui, il me dit ceci, tu n'es plus ma femme, tu n'es plus rien, je ne te vois plus. Mais j'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et dans la vie de mon mari? Je me mets à prier. Quand je prie, j'invoque le nom de cette fille, parce que cette fille m'a beaucoup traumatisée. Il appelle la fille, il lui fait comprendre que ma femme est en train de dire si, elle est en train de dire ça. Il dit oui. Au fur et à mesure, elle applique les remèdes, elle applique. Ma fille a eu 9 mois. Je me suis déplacée, je suis arrivée dans mon propre village à moi. J'expliquais la situation à sa famille, puisque sa famille est une famille chrétienne. Moi-même, je suis chrétienne. Bon, entre-temps, quand ça nous dépasse, on essaie de voir un peu comment ça se fait. J'ai fait 4 mois chez nous. Entre-temps, j'ai prié. J'ai fait une prière de délivrance pendant 21 jours. On dit la prière des délivrances. J'ai fait une prière des délivrances pendant 22 ans. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai prié. Mon mari est revenu en lui. Il m'appelle un bon matin, le 14e jour de ma prière. Hey, madame, comment tu vas? Parce que quand j'ai laissé mon foyer, mon mari ne m'appelait plus jamais. Pendant 4 mois, il ne m'appelait plus jamais. Un bon jour, j'ai décidé que je vais faire ma prière. Je veux voir ce qui ne va pas. J'ai fait ma prière pendant 21 jours, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai fléchi mes genoux au sol pendant 21 jours. J'ai appliqué ma prière pendant 21 jours. Le 14e jour de ma prière, mon mari m'appelle. Hey, madame, comment tu vas? Comment va ma fille? Comment vous vous portez? Mais comment est-ce que tu n'es pas à côté de moi? Comment est-ce qu'il ne va pas? J'aimerais que tu réintègres ton foyer.
Ma famille était dépassée, moi-même j'étais dépassée. C'est que bon, apparemment c'est un truc mystique. Je me rends. Quand la femme constate que je me suis rendue dans mon foyer, apparemment ils sont toujours en contact. Entre-temps, DMG, dans les périodes là, je conçois mon fils, mon deuxième enfant. La femme constate que j'ai conçu. Chaque jour, ils sont tous. Je ne sais pas ce que la femme fait comme pratique. Parce que je ne sais pas. Cette pratique m'a dépassée. Je sais pratique. Elle a recommencé. Fort. J'ai dit que bon, entre-temps, alors, je ne sais plus comment je vais faire. J'ai appris que le monsieur me tape matin, midi, soir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je vais risquer ma vie pour un homme. Elle n'est pas là pour vivre avec l'homme, mais elle est juste là pour manger l'argent de l'homme, puisqu'elle est là. Chaque fin du mois, le monsieur, quand il reçoit le salaire, il envoie l'argent à cette femme. J'ai constaté qu'un bon soir, quand je me suis levée et allée, je me suis levée, puisque pour vous dire, quand j'ai conçu ma fille et j'ai accouché ma fille, je m'excuse. Quand j'ai conçu ma fille, j'ai fait. Et j'ai accouché ma fille. Quand elle est revenue au village me chercher, j'ai fait un temps. On a fait peut-être un an, 3 mois, sans que lui et moi ne partageons le lit conjugal. Vous comprenez un peu, non? Sans que lui et moi, on ne partage le lit conjugal pendant 1 an, 3 mois. Après la naissance de mon fils, mon mari a séparé le lit conjugal après 7 mois. On a fait presque 7 mois dans une même maison. Mon mari et moi, nous ne partageons pas le même lit. Et dit que donc c'est la même chose. Je me suis décalée. Comme je vous le parle en ce moment, DMG, je suis chez ma grand-mère aujourd'hui. Ce que je vais dire aux filles pour sensibiliser les filles, n'épousez jamais les hommes sans les connaître. N'épousez jamais les hommes sans les connaître pour vous dire la vérité. Faites très attention, le dehors est mauvais. Il y a des filles, cette fille n'a aucun lien. Descend avec mon mari, n'a aucun lien. Elle était juste la copine de mon mari. Actuellement, je suis chez nous. Mon mari est à l'extrême nord. Pour vous dire la vérité, mon mari et moi, nous sommes au tribunal. Tout ça à cause de cette fille. Pendant 6 ans, elle a contrôlé mon foyer. Elle a contrôlé mon foyer pour vous dire, les filles, faites très, très attention. Des hommes que vous voyez là, cherchez très bien. S'ils sont vos partenaires, cherchez très bien. Si vous êtes fait l'un et l'autre, vous vous assurez, ma soeur, l'odeur est mauvais. Il y a des filles, bon, quand tu rencontres un homme, il a eu affaire une vie. Cherchez à savoir, parce que moi où je suis, j'en souffre tellement. Petite fille de mon âge, jeune de mon âge, pour vous assurer, les filles, faites très attention. L'odeur est mauvais. Une seule femme a pourri. Du début jusqu'à, je ne sais pas si c'est la fin de mon foyer. Pour vous dire la vérité, les filles, faites très attention aux hommes que vous rencontrez dehors. C'est ce que j'ai à dire pour sensibiliser les filles. On ne trouve pas un homme du jour au lendemain. On trouve un homme dans la prière. Quand on trouve un homme, on se met dans la prière. On demande à Dieu si cet homme est vraiment pour nous. Si cet homme est vraiment fait pour nous, si cet homme n'a pas été piégé, si cet homme n'est pas tombé dans les radins où le mien est tombé, j'en souffre tellement. Mes enfants sont à l'extrême nord, mon mari et moi a confisqué mes enfants. Et moi, je suis à l'ouest, chez mes parents. Ça fait 6 mois, je ne connais pas comment se portent mes enfants. Tout ça à cause d'une seule femme qui a décidé de pourrir la vie d'un homme, qui a décidé de pourrir la vie d'un seul homme. J'espère que vous avez compris, mes soeurs. Faites très attention des gens que vous rencontrez. C'est le conseil que je vais donner aux filles, à mes amis, mes classes et autres. Merci bien, DMG. Que Dieu bénisse. Ce conseil, ce n'est pas de la blague. Ce n'est vraiment pas de la blague. On ne choisit pas n'importe qui
N'importe comment. Chacun de nous est constitué de trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps vous donne des informations souvent erronées sur qui est l'homme en réalité. Mais l'esprit, ce que se trouve dans son esprit, ça, ça ne trompe jamais. Pourquoi savoir ce qui se trouve dans son esprit? Avec précision, il va falloir vous mettre en esprit vous-même. Vous mettez par exemple en prière, vous demandez à Dieu de vous montrer quel est l'état d'âme de cette personne que vous voulez épouser. Quel est l'état d'âme de cette personne que vous voulez mettre dans votre vie. Et vous profitez de cette belle opportunité pour demander à Dieu de vous montrer si cette personne va vous tuer à la fin ou pas. Est-ce qu'avec cette personne, vous aurez le bonheur? Est-ce que vous serez heureux ou pas? Si Dieu vous montre des songes mauvais sur cette personne, sachez que c'est votre réponse qui est là. C'est la réponse à votre prière. Méfiez-vous de cette personne instantanément et évitez cette personne, voire même couper tout contact. Parce que vous ne pouvez pas avoir un contact avec une personne comme ça. Une personne qui est comme ceci. T'as des robes noires la nuit, alors que le matin, elle est habillée en veste. Faites très attention.